Allez, on t'écoute. Le service de maintenance a rédigé ce rapport à la demande du directeur. Situe le complément d'objet direct dans cette phrase. Relis-la pour voir une fois. Le service de maintenance a rédigé ce rapport à la demande du directeur. C'est quoi déjà le complément d'objet direct? C'est quoi le... Tu sais ce que c'est, toi, le complément d'objet direct? Ben, la maîtresse, elle avait dit trouver le complément d'objet direct. Fallait se dire qu'est-ce que. Qu'est-ce que quoi? Bah, elle avait dit qu'est-ce que. Bon. Alors, le complément d'objet direct dépend d'un verbe transitif direct. Il lui est directement relié, sans préposition. Il répond à la question qui est-ce que, qu'est-ce que. Bah, c'est quoi? Bon, déjà, cherche transitif. Direct. Bah, cherche transitif. Ah, c'est là. Là, là, là. Ah oui. 45. La plus grande partie des verbes actifs sont tantôt transitifs, directs ou indirects, tantôt intransitifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent être construits avec ou sans complément. Mais quelques-uns sont transitifs ou intransitifs de nature, essentiellement, c'est-à-dire qu'ils exigent ou ne peuvent pas être construits avec un complément. Bon. Est-ce qu'il donne un autre exemple? Oui, exemple, voilà. Le facteur poste une lettre. Qu'est-ce que poste le facteur? Une lettre. Une lettre est le complément d'objet direct, voilà. Donc, regarde avec la phrase de l'exercice pour voir. Le service de maintenance a rédigé ce rapport à la demande du directeur. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait le service de maintenance? Il a rédigé un rapport. Il a rédigé un rapport, c'est le complément d'objet direct. Bah si. Elle dit qu'il faut se dire qu'est-ce que. Donc, qu'est-ce qu'a fait le service de maintenance? Il a rédigé un rapport. Oui, mais à l'exemple d'avant, il avait mis... c'est qui le facteur poste une lettre. Qu'est-ce que poste le facteur? Une lettre. Une lettre est le complément d'objet direct. Oui, mais qu'est-ce que fait le facteur? Non, il a raison. Le service de... Parce que, regarde, c'est le service de maintenance... a demandé de rédiger un rapport. A demandé de rédiger quoi, un rapport? C'est toi qui as raison. Bah oui. Vas-y, au suivant bon, pour voir.